Hey, salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve juste après la sortie de notre trombo. Et on se retrouve donc pour la suite. Alors, c'est parti. Alors, je voulais vous parler d'un petit truc. Déjà, j'ai mis la barre d'endurance que vous pouvez retrouver dans les réglages. Ça nous permettra de voir quand arrêter de sprinter et avoir ce truc. Et on m'a aussi parlé de la magie. Donc, en fait, les sorts se créent. En fait, j'aurais pu attendre beaucoup de temps avant d'avoir mes sorts. Mais en fait, tout simplement, faut prendre les essences. Voilà. Les essences et les mettre en fait directement. Par exemple, on va mettre on va mettre une dizaine de sphères par exemple. Et en fait, ça va augmenter leur puissance en fonction de ce qu'on met dedans en fait. Tout simplement. Alors. Donc là par exemple, je vais mettre ça par exemple. On va mettre comme on a dit 5 de feu. On va mettre une puissance de 20 à peu près dedans, voilà. Alors là, on peut mettre en fait différents trucs qu'on a. Ingrédients qui vont en fait améliorer soit la puissance, soit complètement changer la chose. Regarde, feu quadruple, enfin des trucs comme ça, c'est assez sympa. Nous, ce qu'on va faire, c'est dans un sort jusqu'à 2 fois de suite, jusqu'à 3 fois de suite. Voilà, c'est des trucs assez sympathiques. Feu infectieux, voilà, ça soit feu immobilisant, feu double. Bah nous ce qu'on va faire, je vous propose, c'est qu'on va faire un feu triple avec des écailles de dragon. Mais j'ai l'impression que les écailles de dragon vont être assez rares. Les œufs pointus, les carapaces. Voilà, on va mettre ça. Ok. Et là on va synthétiser tout ça. Ça va nous faire un feu. Comment ça, ça peut marcher? Carapace de feu, lance le feu, non, carapace de crabe géant, ok. Ah oui, je me disais, je l'avais pas mis. Voilà. On peut augmenter la puissance encore avec la glace, mais bon, c'est pas vraiment utile. Là, on va le synthétiser. Voilà. Feu double, voilà, c'est parfait. On conserve, et par exemple on va faire pareil, on va faire des sphères magiques, on va faire le pouvoir de la foudre aussi. Pareil, on va faire 10. Là on va changer un peu, on va faire en sorte que la foudre, bah ça soit un truc immobilisant. Moi je vous propose, par exemple, voilà. Voilà, et ça va nous faire une foudre immobilisante. Donc ça, ce sera parfait. Et là on synthétise aussi. Voilà, on aura nos sorts. Pareil, on conserve et on va faire le dernier sphère qui est une sphère, voilà, sphère de glace. Donc pour info, je vais faire les épisodes un poil plus long maintenant. La glace, ça va être glace infectueuse. Bah tiens, ce serait pas mal ça, moi je trouve. Ça irait parfaitement. Voilà, on aura plusieurs sorts. Donc là, nous, on va pour l'instant s'occuper de prendre le feu. Alors, on va s'entraîner un petit peu avec tout ça. On peut donner aussi des sorts à nos chers alliés, mais je n'ai pas trop envie. Donc je disais, je vais peut-être améliorer un petit peu la durée de mes épisodes. Donc on va déjà s'occuper de lui. Ok. C'est pas drôle de nous attaquer direct. Ok, donc vous voyez, maintenant j'ai une petite barre d'endurance, c'est assez sympathique ça. En fait, vous allez voir quand je vais arriver vers la fin. Et bah j'appuie sur rond. Ah bah non, ça va pas le faire. Ou je le fais mal. Ah voilà, vous avez vu ce que je viens de faire. En fait, vous courez. Là, par exemple, vous courez avec Ron, par exemple, ou votre gâchette enfoncée.
Et vous faites à la fin. Ah bah non, ça va pas le faire. Ah! Voilà. Vous appuyez vraiment au dernier moment sur la touche de votre sprint. Et bah du coup, on va savoir commencer la bataille. Oula. Par contre la tourelle c'est pas très joueur mon pote. Où je vais pouvoir mettre là-haut. Ok. Ok, on va s'occuper un peu des gardes. Mais je préfère me battre quand même contre des humanoïdes. Je les trouve plus sympathique à jouer. Attends, on va voir ce que ça fait, rugissement de lion. Du lion. Ok. Nickel. Alors, qu'est-ce que ça fait, rugissement du lion? Ouh. Effectivement. On va faire un petit marquage aussi. Alinis. Ah putain, c'est. C'est quoi cette attaque? Ah oui, par contre, la manamune, ça le met direct par terre. Putain, par contre, comment il peut porter une arme aussi. Aussi grande? Allez hop, on y va. On fonce sur l'objectif à 130 mètres. C'est un autre tombeau, je pense. Donc là, on cherche un peu les pouvoirs des anciens rois. Voilà, il y a des petits minerais, on va s'en occuper aussi. Attends, par contre, il y a un petit truc rouge, je sais pas ce que c'est. Ah, je pense que ça va être notre premier donjon, les amis. Allez, c'est parti. Premier donjon. Attends, par contre, ouais, il m'envoie directement en mission, mais moi je voudrais bien me préparer avant. N'y aurait-il pas, vous savez, un petit lieu où on pourrait se poser tranquille? Un petit sanctuaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on peut pas venir avec la voiture ici. Bon, moi ce que je vous propose c'est que... déjà on va donner un peu les PC que j'ai. J'en ai 60. Donc hop, on va aller ici. Donc moi je me suis mis camping édifiant. Alors, camping édifiant c'est pas mal. Permettre de prendre compétences qu'on active PLG poisson, ça m'intéresse pas encore. Nutritionniste, course édifiante permet de gagner des points de compétences en remportant des courses de chocobo. Ok, permet de gagner des points de compétences en parcourant de l'instance au goût de chocobo. Route édifiante, ça par contre, je voulais le faire depuis la dernière fois et maintenant j'ai la possibilité de le faire. On va le faire là. Action. Il m'en reste 28, est-ce que je vais avoir assez? Permet de lâcher les sions aux démons avec des assauts qui puissent. Ouais, ça c'est sûr, ça va vraiment nous aider les démons. Ces trucs qu'on rencontre sur notre route, vous savez. Des trucs un peu chiants à tuer. Bon, c'est parti, on va y aller comme ça. Par contre, ce que je vous avais dit, je pense, dans les premiers épisodes, pour ceux qui ne le rappellent pas, je vais le mettre en mode stratégique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça va me permettre de visualiser un peu ce que font les ennemis, comment ils sont, s'ils sont puissants. Vu l'état des lieux, non, je pense pas. Est-ce que c'est bien bon de le suivre? Ah ouais, ils y vont quand même sans moi.
Ah, ça y est, marche. J'avoue, c'est pas mal de pouvoir voir en clair. Ça va nous aider. Donc là, on a trouvé un condensateur électrolytique. Ça, ça va être bien pour les sorts électriques. Ouais, on va pas trop s'attarder. Allez hop, on rentre à l'intérieur. J'avoue, même moi qui ai peur dans des jeux comme ça, enfin. Je sens qu'en assistant, ça va s'ouvrir. On peut pas la casser. Je l'aurais pété sinon. Écoutez, je vais avancer un petit peu comme ça. Un peu en solitaire, un peu, non? Non, elle me suit, ok. Ouais, alors là, c'est le lieu où tu sais, t'as le meuble. Ok. Analyser le gobelin. Résistance au froid. Attends. Allez, dégâts. Ah ouais, nickel. Ouah. Nickel. Ok. On va aller comme ça. On va. Les gobelins, ils aiment pas trop ça, hein. Ça... Donc vous avez vu, on peut analyser un peu les ennemis. Là, par exemple, on peut voir... voilà, on stoppe un peu le temps. Donc c'est vraiment, vraiment sympa ce mode-là, quand vous êtes dans des zones confinées comme ça. Donc je recommande pour ceux qui vont faire le jeu, ou qui font le jeu, qui auraient mon let's play juste par pure curiosité. C'est vraiment le mode stratégique, c'est vraiment utile contre des world boss, des trucs comme ça. Mais pour les petits mobs, quand vous en avez rien à faire, c'est vrai que c'est une perte de temps. C'est pour ça que je vais les utiliser plus précisément contre des mobs où j'ai du mal. Et des donjons comme là où on est en train de faire. Donc là on peut récupérer ça, un élixir. Donc il y a des gobelins dans ces grottes. Je suis pas très heureux de le savoir vu que les gobelins c'est des créatures vraiment misérables qui sont capables de nous faire. Bah lui c'est le plus peureux du groupe mais c'est le mec qui se promène tout seul, tu sais. What the hell? Alors, qu'est-ce que tu as à nous donner, toi? Donc maintenant, on sait qu'ils sont un peu, voilà, un peu allergiques aux attaques Eclipse. Donc ils sont un peu allergiques aux attaques Eclipse. Ça, maintenant, on le sait. Donc ce qu'on va faire, là, c'est un petit marquage. Et comme le marquage... C'est principalement des attaques Eclipse. On va y aller. À l'épée. Ok. Nickel. Est-ce que ce générateur il va marcher? Ouais. Il va permettre de rallumer un peu les lumières. Là-bas c'est une porte qui est fermée il me semble. Non, elle est ouverte. C'est encore moins rassurant. Alors, putain, par contre, ça c'est un gros bug du jeu. C'est quand t'es après d'une personne pour parler ou ramasser. Des fois, la plupart du temps, ton personnage il se met à sauter comme. Allez hop, on va absorber ça. Il en reste encore un peu, mais. Mais bon.
Là, il y a une sorte de petite, petit lieu de stockage. J'ai l'impression que c'est des petites douches. Mais vraiment des gens qui habitaient là, quoi. Mais ça a été vraiment envahi depuis. Franchement, faut... Les gens, ils ont vraiment squatté ce pauvre tombeau. Peut-être que le tombeau, en fait, il était cassé, caché, ils le savaient pas eux-mêmes. Ouh ! Alors là, je m'y attendais pas, tu vois. Allez, on va l'analyser. Elle prend un peu de temps, celle-là, à être analysée, mais... Je pense que ce sera pour le bien du combat. Allez, analyse-moi tout ça. C'est un peu bête que la jauge soit aussi lente à charger. No lock. Feu, électricité... Ok, nice. Ouais, les dégâts du feu lui font bien des dégâts, c'est ce que je me disais. Non mais je veux continuer à attaquer là, t'es qu'à là. Alors je voudrais savoir à quoi les dégâts. Ah ouais, elle est pas. Donc en gros CP elle est. Ok. Allez. Elle est vraiment du coup affectée par les armes de Gladios. Du coup on enchaîne. Faut l'attaquer par derrière. Allez, balles perçantes, c'est des armes de feu. Vas-y ma poule. Donc, hop, on m'a dit toujours. Ok. Voilà. On a des en bas combat. On a réussi à défoncer un mob qui était bien plus HL que nous. Ça, c'est cool. Ok, on va avancer encore vers plus loin encore dans ce donjon. C'est dommage qu'il n'y ait pas du tout de lumière. On va profiter un petit peu du paysage même s'il n'y a pas grand chose à voir. Waouh, c'est donc ici le tombeau. Allez, on y est donc enfin. On va prendre l'arme. Qui va nous conférer un pouvoir, il me semble. Putain, elle est belle cette arme. C'est magnifique, je trouve. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. Quitter la tranchée. Des Kaikatrice. Pas forcément, il y a peut-être d'autres choses à faire. Ouais, je me disais bien, il y a un truc là. On va pouvoir y avancer. Ouais, j'avoue, c'est quoi ce machin? ダメだ、開かねえよ。封印を解く鍵が必要なのかもしれないな。鍵？RPGであるような全部の扉開けられるようなやつ？なんだそれ。
D'accord, donc c'est une porte pour ouvrir ce me semble être un donjon. C'est dommage, on n'a pas cette clé. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va sortir d'ici. Et on va passer par des endroits où on n'est pas passé, du coup. Pour vraiment avoir tous les objets. On va y aller vraiment tranquillement. Donc on n'est pas passé par là, mais on va voir si on peut passer par là déjà. Putain, j'ai entendu un mec parler. Ou c'était la porte. Putain, j'ai l'impression de faire... Franchement, c'est pas pour moi les explorations comme ça. Hein. Faut que c'est dans un jeu vidéo, mais... C'est pas moi qui passerai entre ça, par exemple. J'aurais peur que tout s'écroule sur moi d'un coup. Pièce du sacre de l'oracle. Qu'est-ce que c'est donc cet objet? Donc, ouais, on peut dire que c'est dans les équipements. C'est pas ça que je voulais, mais... La glaive du sage. Ah, les armes fantômes, donc on peut donc les utiliser. Mais elles nous feront perdre, du coup, de la vie. C'est ce que j'avais compris, enfin, de... Ils ont pas dit de la vie. Mais ils ont dit... Oui, je vais juste consulter mes objets de notre énergie vitale. Pièce du sacre de l'oral. Pièce frappée pour recommander la main. Il s'agit d'une mission limitée. Ah ouais, donc non, c'est pas une porte parce que j'en avais déjà une. Disons que c'est des objets clés, ok. C'est pas une clé en quelque sorte. C'est dommage, je serais retourné là-bas sinon. Oh putain, c'est vrai que ça m'a fait flipper aussi, hein. Pièce. Ça se fout de notre gueule ou quoi là? What? C'est un peu chelou quand même. Ouais, c'est un peu chelou quand même. C'était pas là tout à l'heure. Ouais. What? Ok. Ça joue vraiment sur nos nerfs là. On va continuer à avancer, on sait jamais, il y a peut-être un petit trésor caché là-bas. Ou un petit puzzle. On va y aller en tant qu'explorateur. Wow, wow. Ok, c'est parti. Alors à quoi ils sont ils sont ok, bah on va garder le javelot. Le javelot a l'impression de leur faire bien mal. Oh
Ok. Ok, nickel. Ok, on a fait ça pour une potion, quoi. Oh, pour la glace, c'est nickel. Mais qui a-t-il donc par ici? La porte s'est ouverte ici. Elle ne l'était pas tout à l'heure. Bon, on va se faire encore un coup de flip. Pour de l'éther, quoi. Ok. Waouh. Putain, rien loot de spécial, quoi. De la potion, de l'éther. Un bout de métal rouillé. Enfin, quelques bouts de métal rouillé, parce que c'est pas le premier. On va ressortir directement de par là où on est arrivé. Là on a remis un peu de lumière, mais bon, on se casse quand même. Ok. Je sais pas pourquoi je fais des attaques. Ah. Enfin la lumière du jour. Bon, on sort enfin de ce donjon. Premier donjon, pour moi, c'est pas mal. Bon, y a pas eu gros loot. Et après, cette porte un peu mystérieuse qu'il y avait à la fin, ça promet que du bon. Alors, mon perso, la marche à pied, ça a jamais été mon trip. Allez, c'est parti, teleportation. Donc franchement, petit donjon, bon, quelques petites frayeurs dans ce donjon, rien de franchement très méchant. Même que pour moi du bonheur, on va dire. Franchement, c'est fort sympa d'avoir ça, quoi, d'avoir ce type de combat. Le mode stratégique est franchement une merveille. Rien à dire. Je vais peut-être même le garder par la suite pour les gros boss. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va le remettre en normal, quoi. On va le laisser en actif, voilà. Est-ce qu'il y a un endroit pour dormir? Ça, par contre, c'est une grande question. Parce que là, je peux pas zoomer. C'est bon, je peux zoomer. J'ai pas l'impression d'avoir un putain d'hôtel ici, mais bon. On va se démerder. On va aller voir Monica avant tout. 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 詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。 OK, nickel, merci madame Monica. Alors, lui je crois qu'il a une quête pour moi. Ah bah oui, c'est notre grand chasseur. またドクタ君を探しているんだが、もし旅の途中で見つけたら届けてくれ。
Bon, oui, bien sûr, pas de souci, une plaque d'identification, on va le faire. Tu nous as toujours aidé. Enfin, on t'a toujours aidé, tu nous as toujours rapporté quelque chose de... on va pas dire de pratique. Attendez, je vais regarder sur la quête quand même, parce que ça m'amène pas... Non, ça m'amène pas au lieu d'attaque. On va aller directement là-bas. Ok, c'est parti, mop. Poule. Ah, le sanctuaire est juste là, donc. Mais on va pas aller au sanctuaire, nous. Nous, on va aller chercher le pack d'identification. Putain, à chaque fois avec la barre d'endurance, j'ai du mal. Putain, le javelot, par contre, j'ai l'impression de jouer au JO là. Ouh, un petit bunker, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose? Non, il y a rien. Je me disais, il y avait le truc d'électricité, le truc de givre. Ça m'étonnerait qu'il soit pas présent les... Ce que je vous avais dit, le sanctuaire. Au final, il y a bien un sanctuaire, donc c'est parfait. On va pouvoir se reposer gratuitement. Alors, où serait cette plaque? Bon, on va aller rendre la plaque du coup. Et vu la voiture, il a dû se faire attaquer par un gros monstre. Ok, nickel. Voilà. Comme ça, dans l'endurance quasiment gratos avec cette technique. Donc restez appuyé sur... En fait, vous sprintez, vous restez appuyé sur rond. Au moment où la barre se termine, voilà, hop, vous rappuyez sur rond une fois. Et c'est parti, votre endurance reprend de plus belle. Ça, c'est vraiment cool d'avoir trouvé cette petite astuce sur internet. Pareil pour la magie, la personne qui me l'a dit, elle se reconnaîtra. Je la remercie de m'avoir donné ces trucs et astuces. Fort sympa. On va camper directement. Bon, on s'arrête là parce que quand même on a fait une nuit entière de combat. Rendez-vous compte, nos persos doivent bien être fatigués là. Allez, tant jour passé, on n'a pas passé vraiment... Ouais, mais la quête, elle a dû, je pense, à pas prendre en compte le temps. À manger. Eh ben écoute, j'ai très faim. Moi je dis on va faire ça. On va faire un peu de poisson. Un poisson qu'on avait pêché. Et du coup comme on a trouvé du poivre, on peut faire une recette. Petite subtilité. Ok. Suite. Le poisson était... très appétissant. Non, je rigole. Je sais même pas à quel goût ça doit avoir ce truc. Ça va pas être très dégueu, ça va être même très bon. On va passer un level. Nickel. Gladius appartient à Survie 2. 3, pardon. Capacité 3 parfois des super potions après les combats. Ça, c'est nickel, ça va vraiment nous aider. Inis, sa cuisine. Bon, ça s'améliore un petit peu. Bon, toujours des photos. Ah, celle-là, elle est complètement ratée. Par contre, celle-là, elle est magnifique. Je vais l'enregistrer pour du perso. Et je vais aussi l'enregistrer dans le jeu. C'est différent. Nickel. Putain, c'est pas mal. J'aime bien. On va peut-être reprendre la route du coup pour finir cette quête. On va rendre la quête au chasseur. Ah. Ouais. Ah ouais, Dino, ok, nous appelle et toi. Tento nara ashi ga nobaseru shi na.
Ok. Fragment de métal, tiens, derrière une petite maison. Ça peut toujours servir. Allez. Putain, je me rappelle plus de Dino déjà. Il y a tellement de personnages dans le jeu. Merci ma poule, c'est un réel plaisir de t'aider. Un fil de la trame 2. Ok. Pouh, méga potion carrément. Non, mais je pense qu'à force en fait on va gagner vraiment un gros loot. Donc je vais continuer à l'aider ce type. Il a l'air vraiment gentil en plus. Allez, on est à 300 mètres, on va quand même prendre la régalia. Bon, je peux jamais la conduire, mais c'est pas un problème. Allez, hop. Roule ma poule. Ouais, on fait ça rapidos. C'est mieux, là. Exactement, c'est mieux d'une petite téléportation gratuite. C'est bien la voiture, mais à force, on s'y habitue. Ok, c'est parti, on y va. À quelques mètres, même pas. Ça va nous permettre... donc rejoindre le barrage de Duskanol. C'est de l'autre côté, je pense. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit par là. Eh, hey, hey, c'était bien parti en fait, je pense. Ou je pense qu'il y a un moyen de monter, mais je vois pas où alors. Ah, un petit passage secret, dis donc. ノクティス様はこの先で将軍と合流をグラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。 Bon, j'accepte hein. じゃあ行ってくるわ。お、頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。 Allez, c'est parti. Bon, tout seul, non. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien? Ça, c'est ce qu'on va voir. Allez, partons d'ici. Ah, le corps est là. On va faire un coup de pied. On va faire un coup de pied. On va faire un coup de pied. Allons-y. Salut les gars. Attends, on attaque directement les soldats impériaux. On leur demande même pas... Ok, nickel. Il y en a d'autres juste là. Allez hop. Rugissement direct. Ouais bah ça le met direct par terre. Ça c'est franchement cool. Ah, faut que j'enchaîne, mais j'ai plus de PM. Oh, j'ai plus de PM, putain, ça va être chaud. Ouh.
Ah ouais, carrément, il est monté. Waouh, magnifique cette attaque. Magnifique. On va passer par là. Ok, on va essayer de récupérer nos PM comme ça. Nickel. Ce que je vous dis toujours, à chaque fois que je m'approche d'une porte, je veux l'ouvrir, il fait sauter au lieu de... Allez hop, on va monter directement là. Ah, j'ai plus force, non. Ok, nickel. Allez, rugissement de l'or du lion. C'était magnifique. Donc c'est pas par là, c'est par là. Ok. Ok, on va vaincre les forces impériales. Nickel, c'est parti. Nocto! Ah oh, ils ont fait un carnage. Ouais, mais je pense que le reste des troupes ennemies arrivent. Ouh, ouh, ouh. Je sens le gros boss là. Pas vous? Il va faire mal lui. Ça, ça va être beau ça. À la Metal Gear les amis. Mais du coup pour ça, qui dit boss dit stratégie. Qui dit stratégie dit mode de combat. Oh là là, on va essayer de se faire déjà les... Allez, faut que je fasse le régissement du... Bon, je vais m'occuper du dernier soldat Magitech. Ok. Allez, faut s'occuper d'eux. Non, par contre toi tu vas mourir ma poule. Merde, j'ai plus de PM. Faut que je me mette à couvert. Et ouais, il va essayer de m'avoir en mode... franchement... Franchement, et je crois qu'il n'y a pas de stratégie sur lui. Alors on va lui péter déjà... la jambe. Oula.
Faut vraiment qu'il en fasse un petit marquage là. On va essayer de l'avoir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'équiper une arme d'Octis. On va essayer de l'équiper d'une arme fantôme. La glaive de la du sage. Par contre là je vais avoir besoin d'un super élixir sur Noctis. On va essayer de... Hop. On va essayer de faire quoi là? Le rugissement du lion. Allez Gladio, un petit tourbillon. Une petite balle perçante mon petit. Prompto, allez vas-y. Oula. Allez, un rugissement du lion, je pense que ça va l'achever. J'adore son katana par contre. Voilà. Pff, ce boss. Bon, la petite explosion de fin, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas, mais vraiment pas du tout. よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。では、いずれまた会おう。 Ok. L'impression à la fin de chapitre, ok, je comprenais pas. Oh, on a pris deux levels d'un coup. Photographie. Il a quand même up, hein, le petit malin. Ah ouais. Donc il a pris des photos du combat, c'est sympathique. Ça, elle est magnifique. Enregistrer cette photo. Je vois, elle est pas très belle, mais celle-là, quand il sort du... Elle est magnifique, celle-là. Elle est magnifique. Donc, nouveau chapitre. On va voir ce qu'il nous réserve, donc, ce chapitre.
王子は生きていたか。指輪はどうなっている。ルナフレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力は神凪の求めにより 王へと与えられる時か。神凪は良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのは。そなただ。ですが、今はどちらの行方も知れぬ状況。 軍は引き続き王子と神凪の行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。 なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。へえ、湿地帯。チョコボが生息する森もある。来たチョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の。ああ、 Et sur ces belles paroles, on s'arrête sur cet épisode de Final Fantasy XV. On se retrouve rapidement pour la suite, ou sinon à tout de suite pour ceux qui regardent en décalage. Mais la suite promet du bon. Déjà notre premier donjon, notre premier un petit peu gros boss, mais je pense qu'il y en aura plus gros vu ce qu'il y avait dans les trailers. Et on se retrouve rapidement pour la suite. Allez, à tout de suite.